Putain, 7h du matin, il y a déjà des mecs qui sont prêts, hein. Ils sont motivés les gars. Motivés, je te le dis, 7h du mat. Bon, il commence à avoir un petit peu de monde qui arrive, tranquille. Il va faire beau. On va s'inscrire. On a le choix entre 16, 32, 43, 55. Tout de suite, c'est quand même tous les mecs qui s'inscrivent pour le 55. Hein. Et il y aura une prochaine randonnée que j'avais fait l'année dernière, c'était pas mal. C'est la Comté Verte. Tranquille, j'aime bien regarder le compte, j'aime bien le concept, un petit Logan pick up, franchement la classe, regarde, je crois que c'est le mec qui organise, ah bah oui c'est lui, on le reconnaît bien, il vient de partir sur le 55, il s'est fait un petit rail, pas un rail de coup, non mais c'est vachement classe, le petit pick up Dacia, j'aime bien, l'idée est bonne, bon un petit café pour partir, il y a un peu de monde, ça y est, ça commence à se bousculer. On part d'ici. 43. Ça y est, tout le monde est arrivé. Rico est arrivé. Le vélo, it's ready. Petite publicité pour MS42. Allez, on y va. Voilà, avec le coach, on vient de se taper une bonne petite montée. Hein. Ouais. On les voit monter là, par là, voilà. On voit monter par derrière. Donc là, on a le parcours. Ouais, c'est bien technique. Et là, c'est un beau château. T'es sûr que c'est ça? Ça s'appelle comment? C'est Tournoël. Bon, c'est Tournoël. Hein. Qu'on dise pas n'importe quoi sur la vidéo. Merci. Regarde. Je peux vous dire que celui-là est grand. Ça, c'est un grimpeur, mec. J'aime bien me mettre derrière sa roue, mais c'est dur. C'est dur à suivre. Très dur. Ben, il y a du mal un peu. Allez, il faut que j'en garde un peu parce que c'est pas fini. Alors là, on a une nouvelle vue du château qui est magnifique. Et regardez bien. Il y en a un qui a oublié son gant, là. Qui c'est qui a oublié son gant? Intelligent, ça. Un gant Fox. Oh, ben, je vais le ramener. Comme ça, je le donnerai. Et regardez bien ce que j'ai vu dans ça, les fous là. Regardez ce papillon. Regardez comme c'est beau. Regardez le dessin. C'est beau. T'es magnifique, toi. En fait, ça fait des yeux. Oh. Très belle randonnée. Donc là, vous avez une auberge, la Chaumière. Allez, on continue. Alors franchement, cette randonnée est magnifique. Il y a des chemins de partout. Je pense que Titi t'aurait aimé parce que il y a de tout. C'est vachement. On a eu des singles, on a eu des beaux chemins comme ça. Donc là, à chaque fois, vous voyez, il y a plusieurs parcours. Donc en fait, Eric fait le 55. Je vais le filmer à l'arrivée. Et à chaque fois, on se retrouve, quoi. Il doit être pas loin là-bas. Et voilà. Le champion. Allez Rico! C'est par là! Allez coach! Voilà, c'était Rico qui fait le 55. Premier ravitaillement, on va attendre. Voilà, le voilà. Bon, moi c'est normal, j'ai pris un parcours inférieur. Et lui il fait le 55 et voilà. Le coach! Qui vient boire l'apéro? Allez, c'est l'apéro. Bon, juste ton avis sur le parcours là, comment ça se passe? Ben, super, un beau parcours. C'est beau, hein? Ah ouais, joli, bien. C'est le ravitaillement sympa. Sympa, ouais. Bon, là, on va pas. Allez, on y retourne. Hein. Regardez-moi cette super vue. Attends, on le voit? Ah ouais, on le voit au fond. Magnifique. Je me filme. Et on est en train de prendre un super petit chemin. On est en train de se prendre un super chemin. Du bois du renard, comme dit le monsieur. Ouais, merci à vous pour les renseignements. Voilà, le monsieur m'a dit. Attends, on va faire un zoom. Alors moi, je suis un peu en avance parce que j'ai pris un parcours plus court que le coach qui est en 55. Mais là, il va se régaler avec ton... Parce que là, je suis en semi-rigide, c'est pas mal, mais
J'avoue qu'en tout suspendu, là, c'est un petit chemin d'enduro quand même. Sympa, quoi. Franchement, il y a des petits pièges, il y a des, vous voyez, il y a des pavasses. Et alors, ce château-là, on va les voir arriver, peut-être, je sais pas. Bon, moi, j'ai le temps. Hein. Je suis en vacances, hein, c'est... Putain, c'est trop beau, quoi. Cette rando est magnifique, je la referai. Mais avec un temps comme ça. Voilà, donc après, on va redescendre par là-bas. Voilà, sur mon compteur, il y a 22 bornes. Moi, je fais le 33. 32, 33. Et Eric fait le 55. Mais Eric, il est tranquille. Lui. Mais ça va mieux. Je me suis remis de ma dernière chute. Alors, mon frère, il chante souvent... Surtout le lundi matin quand il va au boulot, je sais pas pourquoi d'ailleurs, je sais pas comment il fait. Moi c'est plutôt quand je fais du VTT que je vais chanter cette chanson. Parce que le lundi, alors voilà, dédicace pour mon frère Philippe. Oh la vie, la belle vie, sans problème. Ah ça y est, ils arrivent. Voilà, ça y est, je suis arrivé. Je fais un petit parcours de 33 bornes. On va attendre Eric, il fait un temps magnifique. Par contre, ça sent la cigarette. Je vais vous faire voir, attendez. On va voir un petit coup. On attendrait Rico. Rico qui donc fait le 55 bornes. Alors sur la fin, on a une super descente. Je pense qu'il a dû se régaler avec son tout suspendu. Moi, j'ai bien descendu. J'ai pris quelques risques parce que avec le semi-rigide, c'est pas... ça pardonne moins les fautes. Mais lui, il a dû se régaler. Je suis sûr que toi, tu te régaler, Rico. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est normal parce que... On attend les 55. En direct de la randonnée du Muguet, superbe randonnée. On s'est régalé. On attend bientôt Rico qui a fait le 55 km quand même. Je vais vous faire voir. Et bien un peu plus. On attend le leader de la course. Et on peut même laver son vélo. Il est tout neuf, tout bon. Et ça c'est la récompense. Un petit rouge avec un petit sandwich. Il est beau mon vélo. Nickel. Oh, il est là. Il est là le coach, il est un peu gazé là. Oh putain, non de Dieu. Bon alors d'abord, bravo. Respect. T'en as chié hein. Bon, t'es content? C'était bon la descente la dernière. Hein. T'es pas tombé hein. Moi j'ai... Je me suis régalé aussi. Bon, t'es heureux? Ah ouais, bien. Bon,